Oh, t'as pas commencé, hein. Bah quoi, c'est la vérité. On est sur un vlog. On est parti sur une petite destination nommée Tokyo. Ça va être, je pense, complètement ouf. Mais pour l'instant, je suis toujours dans l'angoisse. Je n'ai pas changé, je suis toujours la même personne. J'ai toujours peur de l'avion. Crevé. Alors ? Kata. Tu suis pas, hein. Donc en fait le gars s'est déjà mis à la mode de Tokyo. C'est pas une mode, c'est une culture. Quoi? C'est pas une mode, c'est une culture. Ok, d'accord. En tout cas, ça fait moins de 12 heures qu'on est là. C'est la première sortie qu'on fait. Il a déjà mis un masque. Comme t'es influençable. Sur un bubble tea et il est absolument dégueulasse. Je déteste ce que j'ai pris. Je suis si triste. On arrive dans les magasins et j'ai déjà cédé. Je sens que ça va être problématique ce pays quand même, hein, au niveau du portefeuille. Autre petit détail de la plus haute importance, il fait actuellement 35 degrés à l'ombre et je sue. Je n'en peux plus, il fait déjà beaucoup trop chaud et il est midi.
Arrêter pour manger un peu dans un restaurant de sushi où les sushis sont défilés comme ça devant nous, c'est trop drôle et je crois qu'il faut qu'on commande sur les tablettes. De notre première journée, enfin la fin, il reste la soirée, mais disons que là on a fini les boutiques, on rentre et bah on est un petit peu mort, j'avoue. Je suis claqué. Plus près d'un cœur. En tout cas, il fait toujours aussi chaud, c'est un plaisir. Quand vous allez voir mes photos sur Instagram que j'ai fait, quand vous allez voir cette vidéo, vous les aurez déjà vues, que j'ai fait sur les passages piétons là, Shibuya. Crossing, là où il y a du monde, qu'on voit partout, bref. Et bah sachez que nous l'avons refait une quinzaine de fois, que Dany a adoré cette petite partie de la journée. C'est qu'il n'y avait pas trop de monde. Ouais, c'était pas trop busy, il faisait pas du tout chaud, enfin tout allait bien. Et voilà, on l'a refait tellement de fois, c'était limite triste à regarder. Ouh, mais qu'est-ce que je fais? Juste au-dessus, je vais déballer. D'accord. Je vais faire comme ça là. Ouais, tu vas faire un unboxing donc. Il fait donc nuit et il est quelle heure? Il est 20h. Mais tu peux mettre plus loin ou genre c'est quoi? On dirait le projet bien riche. Ça fond un peu. Pour bon. Je me régale. Comment on dit, ça touche mes papilles. À Paris, je galère toujours pour retrouver des vanilles simples. Magnifique. Bien le bonjour. Je suis malade. Je sais pas trop ce que j'ai en fait parce que j'ai bien mal à la gorge. Ça c'est une chose, souvent quand j'ai mal à la gorge j'ai un peu envie de vomir, mais là hier c'était carrément la nausée de l'indigestion, donc je sais pas si en même temps j'ai pas mangé un truc de trop, parce qu'hier on s'est fait péter le bide et je crois que c'était pas une bonne idée. Je me suis endormie vers heure locale, 7h45. Quand je me suis endormie à 7h45, je me suis dit Dany va se réveiller vers 10h et puis il va me réveiller tranquillou, tu vois. Pas du tout, c'est moi qui l'ai levé. Enfin bon, en tout cas du coup là je commence à avoir un peu faim, mais comme j'ai encore un peu la nausée, je me sens bizarre, j'hésite, enfin bon bref. Je suis au bout du rôle quoi. Oh, et j'ai l'impression de niquer le voyage, mais bon. En avant, roulez jeunesse.
L'intention, bah c'est pour ça que j'ai du mal à gérer le décalage horaire, j'ai l'impression qu'il est 8h du mat. Mais il est 8h du mat en fait, en France. Bref, du coup on va aller dans les boutiques qu'on n'a pas fait hier, parce qu'en fait ce qu'on voulait c'est d'abord premier faire toutes les boutiques qu'on voulait, pour voir à peu près le niveau d'argent qu'on allait dépenser, et ensuite se calmer et faire tous les trucs plus tranquilles. Pour moi on va dans des boutiques vintage luxe et tout, parce que je voulais voir les prix des sacs à main. Par exemple, je sais qu'il y a des sacs Chanel et tout qui sont bon, bah, chers, mais 4 fois moins chers que des neufs en boutique. Donc voilà, je sais que c'est un peu le royaume du vintage Tokyo, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont me proposer, voir à quel point je vais me ruiner. Gotta tell you what to do, yeah. Ooh, no, I'll never get over you until I find. Hier, je crois qu'on a quitté le vlog sans même parler. Moi, je suis morte, enfin, j'étais et là aussi complètement KO. Allons-y pour cette journée. Bonjour. On débute l'expérience en ayant déjà les pieds nus. C'est tout à fait dérangeant. Je me suis coupé les ongles, mon pote. Je savais pas qu'on serait pieds nus, ça me stresse de marcher partout. Ah, tiens, alors, je sais pas si vous entendez, mais c'est de l'eau. J'espère qu'elle est chaude. Ah, ça va. C'est de l'eau. Je suis coupée. En fait, il y avait, c'est tout mou et moi je croyais que c'était un sol dur. Je me suis cassée la gueule comme une merde. On peut pas mettre de flèche. Un pédiluve géant encore. Ah, ça me dégoûte. Ah, on est dans l'eau partout là? Ok, wow. Wow. Alors, je sais pas si sur la caméra on se rend compte, mais l'eau est archi chaude et en fait on est dans l'eau. Until I find something new that gave me high like you do. Yeah.
Allez, action. C'est notre troisième soir, on est quel jour? Mercredi, je sais plus. C'est le troisième soir, oui, c'est mercredi. Mais je t'emmerde, d'accord, je suis malade. On est sorti pour dîner et Dany m'emmène dans mon fameux ramen. Allons-nous nous transformer en ramen avant la fin de ce séjour? Je le pense. Tu peux filmer? Tu peux me filmer? Je te dérange pas. J'en ai pas. J'essaie de vous expliquer le principe, mais il y a un peu de bruit. En fait, on a d'abord choisi sur une machine ce qu'on voulait manger, comme vous avez vu dans la vidéo. Maintenant, on s'assoit derrière des comptoirs où on nous sert, en fait. On a rempli une fiche aussi. On a rempli une fiche aussi de ce qu'on voulait. Et là, on va nous servir sans qu'on voit les gens. Enfin, on va nous amener notre plat et puis on est séparés, comme ça, on parle des petites. Je sais pas, c'est cool. C'est notre quatrième jour et il fait bien beau, donc ça c'est plaisant. Moi je suis un peu moins malade, disons que j'ai toujours le ventre bien tordu, mais oula, n'allons pas tomber. Mais ça va, je peux évoluer dans l'espace. On va dans un temple en tout cas. Un ou deux? Un seul. Parce que c'est Dany qui fait le programme, parce que un, c'était plus son rêve à lui, entre guillemets, de venir ici que moi. Et deux, je suis au fond du seau, donc quand je dors et tout, lui, il se fait des petites ambiances, il fait des notes, il fait des programmes de journée. Voilà, c'est parti! Tous les jours. Voilà. 5 fois par jour, par heure, faut faire ses lacets.
5 fois par heure. Supportable. Supportable. Bah écoute, il y a des gens qui sont très intelligents, doués de énormément de qualité. Et qui retourne à la maternelle. Ok, je crois qu'on a trouvé le cadeau parfait pour Tiwa. Pansement. Ok, on prend tout. Le petit gâteau au camembert. Non. C'est des patchs qu'on met sur la paupière pour créer un pli. C'est nous. Coucou, c'est le 5e jour, je sais. Franchement, j'ai vu beaucoup de notions des jours. Là, c'est la première fois que je fais une nuit complète depuis qu'on est arrivé. Et ça, c'est important de le dire. Aujourd'hui, nous allons promener. Oui. Voilà, comme tous les jours. C'était une information très utile. Et à tout à l'heure. Donc on laisse nos affaires dans un casier, on a laissé nos chaussures, on n'a pas le droit de faire plein de trucs avec eux, on peut juste les caresser en fait, on peut pas parler trop fort, tout ça. Alors, j'ai remarqué que je parle à chaque début de journée et chaque début de soirée, mais bon, en tout cas, au moins comme ça, on sait à peu près où on en est. Donc, l'heure d'aller dîner, on rentre à chaque fois à l'hôtel pour se changer et tout, et se poser un peu, et surtout poser tous les trucs qu'on a achetés, parce qu'on fait que ça, acheter des trucs. Là, on est censé aller dans un resto de barbecue, donc je trouve, vous savez, au milieu de la table, il y a un barbecue, je vais vous montrer. Bon, on s'est couché tard comme d'habitude et on s'est levé un peu tard parce qu'on est crevé, du coup, avec tout ce qu'on a accumulé. Du coup, on s'est levé vers midi, donc là il est 13h, je crois. Et on a fait un peu des photos. Et puis là, on va partir se promener parce que Dany il a un petit peu mal à la gorge. En fait, il a ce que j'avais au début, donc voilà, tranquillou. I fall for you every time I try to.
On va se péter le bide, on a décidé que ce soir, on se pète le bide, comme tous les soirs, quoi. Je sais pas si c'est parce qu'on les choisit bien, mais en tout cas, depuis le début, dans pratiquement tous les restos où on est allé, on a fait la queue. Ça veut peut-être dire qu'ils sont super bons, mais voilà, on attend. Et bah c'est notre dernier jour complet. En fait notre dernier jour parce que demain on va aller à l'aéroport assez tôt. Dany est toujours un petit peu malade, moi mon estomac est toujours pas au top mais ça va. Mais on a quand même décidé d'aller dans un quartier qui est assez loin, en fait à plus d'une heure de trajet. Mais un quartier, c'est pas le vieux Tokyo parce qu'il y a plusieurs quartiers un peu anciens dans Tokyo, mais là c'est un quartier traditionnel. Voilà. Donc bah voilà, c'est parti pour une heure de transport. Sur Insta Story, je l'ai pas encore dit là. Bon, là, ça c'est un bouton. Et ça, en fait, je me suis cognée avec l'appareil photo. Du coup, je vois pas en quoi c'est drôle. Du coup, c'était un plaisir de terminer les vidéos ainsi. On est rentré de notre petite virée à Shibamata. Je me suis changée pour faire les dernières photos parce que demain c'est le grand départ. Et voilà, c'est notre dernière soirée. Content, Dany? Grave. T'as passé un bon séjour? Ouais. Je suis comme ça, genre c'est cool. Fun. Cool. Genre la visière devant comme ça. Ils sont comme ça. Genre. Ça, c'est vraiment le genre de choses qui te révolte. Ça me fout hors de moi. Ouais. Ça me fout hors de moi. Ça me fout hors de moi. Ça te fout en boule, quoi. Non, mais autant mettre une visière aussi. Ça te fout en rogne.
Ça me met déjà les boules là, vous savez. Quoi? Il y avait des mecs qui faisaient pas comme ça. Genre. Ça t'est, ça t'est revenu d'un coup là. Ah ouais, parce que ça me rappelle. Parce que je disais, t'es toute droite, donc faisais ça. Genre. Ah, conne. Hein, si tu veux. Là aussi, la spéciale. Hop là. Oh, quel tour qu'il y a. Oh, je m'en mets pas. Je suis inspiré des meilleurs. Putain. Fais chier. On a touché le fond. On détourne. Pour le dernier soir, on est retourné dans un resto qu'on avait bien aimé où on mangeait tout seul. Je sais pas si vous vous souvenez. Et du coup, là, on avait. Donc, il y avait des petits murs comme ça entre chaque personne. Et là, Dani, il a trouvé comment faire pour ouvrir. Du coup, coucou! Mange à deux! À la prochaine. You say you change, but you never change. Thank you.